Coucou les divas, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Pour aujourd'hui, nous allons réaliser cette recette ensemble. Moi je l'appelle une recette super spéciale. C'est très très bon. Alors on va commencer tout à l'heure. Alors sans plus tarder, let's go. Alors là, je vais juste nettoyer les poissons. Je vais vous montrer comment nettoyer les poissons de tilapia. En fait, il y a un poche dans les tilapia. Vous ne l'ouvrez pas, en fait, il y a la saleté qui reste là-dedans. Alors, ces poches-là, il est très important de déchirer ça et puis enlever tout le gras et toute la saleté qui se trouve dans ces poches. Donc, je vais nettoyer comme ça et ensuite, je vais aller mettre du vinaigre et je vais laisser reposer dans le vinaigre pendant 5 minutes. Donc, le tilapia, vraiment, c'est un bon poisson. Mais il faut bien les nettoyer, il faut bien nettoyer. Quand je dis nettoyer, il faudra vraiment insister, bien nettoyer comme ça. Ça serait facile pour manger. Alors, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors du coup, après avoir terminé de laver, je vais juste aller mettre du lin. Le lin va nous permettre à ce que les épices puissent bien pénétrer le poisson. Et voilà. Alors on va mettre du lin comme ça. Ensuite, je vais juste laver encore, juste pour m'assurer qu'il n'y a pas le sang qui reste encore dans le poisson. Et c'est comme ça que je vais verser le vinaigre tout blanc. Alors je vais juste mélanger comme ça. Ensuite, je vais laisser reposer pendant 5 minutes et je vais aller assaisonner. Alors là, on va commencer avec les ingrédients. La base de cette recette, c'est le gingembre. Donc, il faut avoir plus de gingembre pour un bon goût. Et puis ensuite, je vais mettre quelques gousses d'ail. Et ça va être accompagné de notre, comment on appelle ça, le crevette que vous voyez juste à côté. Donc, on va mettre juste le gingembre, l'ail. Et ensuite, on va mettre l'oignon violet que vous voyez là. Et ensuite, on va juste ajouter un peu du poivre. Je vais aller utiliser ma sauce Matoux et un peu de muscade. C'est tout ce que nous allons utiliser. Essayez ça, vous allez aimer. Vraiment, la base, c'est du gingembre. On a besoin de ces goûts de gingembre et les goûts de ça. Alors, et ensuite, on va faire la sauce aubergine à côté et avec la crevette. Oh là là, regardez juste la suite.
Alors, après avoir mis tous les ingrédients, j'ai aussi mis le bouillon all-purpose, tout usage. J'ai mis du sel, quoi d'autre j'ai mis? J'ai mis l'huile et ensuite je vais juste laisser reposer pendant 30 minutes et ensuite on va aller déposer ça au four. Voilà, c'est comme ça que le poisson va se présenter. Vraiment, c'est très bon. Ok, après 30 minutes, le poisson est bien assaisonné. Je vais aller déposer ça dans le moule et ensuite je vais aller mettre dans le four pour 45 minutes. Oh là là, les goûts de ça avec la chikwangue, le banane plantain, même le riz. Parce que la sauce de crevettes et les aubergines là, on peut le manger avec un bon riz blanc. Alors, c'est comme ça que je vais faire. Alors voilà, il se présente comme ça. Je vais mettre dans le four et puis quelques minutes après, je vais juste aller récupérer la sauce de ces tilapia. Vous allez voir ce que je vais faire avec. Là, je suis en train de nettoyer le crevette. Je vais nettoyer ça avec un peu du vinaigre et je vais mariner ça légèrement, juste avec du poivron et un peu du bouillon all-purpose, tout usage. Alors, je vais aussi laisser à côté juste pour quelques minutes et ensuite, c'est comme ça que je vais commencer à frire ça. Et je vais vous montrer tout à l'heure les ingrédients que nous allons utiliser pour réaliser notre sauce à la base de l'aubergine. En tout cas, c'est une recette vraiment qui est très très facile, vraiment facile à réaliser. Les ingrédients ne sont pas du tout compliqués. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mamie, où je peux trouver la sauce Matoux? Si vous avez un Walmart, marché chinois, vous allez trouver ça là-bas. Je passe aux épices. Je vais juste couper les aubergines. Et à côté, vous allez voir les oignons. Et ensuite, je vais aller rajouter notre ciboulette. C'est comme ça que je vais réaliser la sauce. Vraiment, rien de compliqué. Rien de compliqué. Le goût de ça, les filles. Moi, j'aime le tilapia. Il y a des gens qui me disent, oh, mamie, moi, j'aime pas le tilapia. Il faut essayer ma façon de les faire. Vous allez beaucoup aimer. Et je vais passer à la cuisson. Là, je mets le crevette. Je vais d'abord frire le crevette tout seul. Je vais laisser cuire. Et ensuite, je vais venir faire la sauce de notre crevette. You'll never feel the way I feel. You don't know if my love is real. Baby, listen to me, here's the deal. When you're not here, I'm not the same. I'm needing a new chapter, babe. Been stuck here in a bed for days. I've been staring at the telephone. Cause when you're gone, I miss your face. Late o'clock, body talk, there's no need to bring. C'est prêt et je veux juste aller enlever. Je vais mettre de côté et ensuite on va attaquer la sauce de notre crevette. Et voilà, rien de très compliqué. Alors là, dans la sauce, j'ai déjà mis les oignons qu'on a coupés ensemble et la ciboulette. C'est tout ce que j'ai mis. Ouais, voilà. Je vais laisser cuire comme ça et ensuite je vais aller rajouter les aubergines. Vous allez laisser les aubergines aussi bien cuire et ensuite on va aller ajouter la crevette. Et puis dans la sauce, il faut mettre un peu de bouillon, de votre préférence évidemment. Et voilà. Je vais prendre ma cuillère en métal dès que les aubergines commencent à devenir un peu plus mou. Ça va me permettre de bien écraser. Et ensuite, je vais aller rajouter de l'eau, voilà, pour la sauce évidemment. Et voilà, et je vais laisser mijoter pendant juste 5 minutes. Et c'est par là qu'on va aller rajouter la crevette. Oh là là! Ça va devenir comme ça à cause des oignons. La couleur va un peu changer. Et je veux juste rajouter le crevette. Oh là là! Regardez-moi la sauce.
avec le riz, la chikwam, le banane plantain, les goûts de ça. Oh là là. Et là, voilà, notre poisson est prêt. Je viens de le sortir du four. Alors, je vais les déposer dans l'assiette. Voilà, tout doucement. Alors, après avoir déposé comme ça, c'est comme ça que je vais prendre la sauce que j'avais récupérée de mon poisson. Je vais aller verser parce que, rappelez-vous, la sauce, la base de cette sauce, c'est le gingembre. Donc, voilà. Donc, j'ai repris la sauce avec tout le gingembre qui était là. Je vais juste aller verser sur le poisson. Oh là là, les goûts de ça, les filles. Voilà. Si vous ne voulez pas la sauce, vous pouvez vous arrêter ici. C'est déjà très bon si vous ne voulez pas la sauce. Donc voilà, ma sauce est prête. Je vais juste aller déposer sur le poisson. Les filles. Et l'assaisonnement, les gingembre, les mélanges de tout ça. C'est la mort. Donc voilà, je vais déposer comme ça. Et je pense qu'on a fini avec notre vidéo. Alors, je vais vous laisser regarder la suite. Je vous fais des gros bisous. Alors, si la recette d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos pouces, vos commentaires. Ça me fera énormément, énormément plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Fashion Elegance. Ça me fera énormément plaisir. Alors, on se retrouve très prochainement. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Bye bye. You'll never feel the way I feel. You don't know if my love is real. Baby, listen to me, here's the deal. When you're not here, I'm not the same. I'm needing a new chapter, babe.